Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Mon italien s'arrête là, deux phrases. Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence. J'ai le plaisir aujourd'hui de présenter mon nouveau livre, Les Califs maudits, tome 1, La déchirure, à l'Université suisse italienne. Université à laquelle je commence à m'attacher de plus en plus parce que j'ai eu beaucoup d'amis dorénavant, comme Federica, c'est toujours un moment de bonheur et aussi de réconfort de me sentir ici un peu en famille devant un public qui s'intéresse à mes modestes travaux. Alors, le livre que je viens de publier chez Alba Michel en février 2019 est un peu dans la suite du livre que j'ai publié en 2016, Les derniers jours de Mohamed. Et avant de vous parler des deux livres, parce qu'ils sont très liés, j'aimerais dire un mot sur les raisons qui m'ont poussé à m'intéresser à cette période de l'islam des origines. En fait, c'est que, comme vous tous, que ce soit en Europe ou de l'autre côté de la Méditerranée, dans les pays traditionnellement musulmans, nous sommes tous, depuis les attentats de 2001, régulièrement secoués par la violence religieuse, par des groupes qui revendiquent un retour à l'islam pur des origines. Tout l'imaginaire salafiste, qu'il soit violent ou quiétiste, se réclame de ce passé glorieux des débuts de l'islam et il pense qu'il faut tôt ou tard le restaurer. Et si le monde musulman est tombé dans l'égarement, dans le sous-développement, dans l'ignorance, c'est parce qu'il s'est écarté de ce modèle, de cet âge d'or, et qu'il a été souillé, l'islam a été souillé par les hérésies, par l'influence des mécréants occidentaux, etc. Vous connaissez un peu leur imaginaire extrêmement simpliste, mais à la fois complexe quand on regarde les choses de près. Alors moi, je ne comprenais rien à leur discours. J'ai écouté, je suivais l'actualité et je me suis dit de quoi ils parlent au juste. Quel est cet âge d'or qu'ils essayent de restaurer et de l'imposer parfois par la force et la violence? C'est quoi cet âge d'or qui pousse les gens à semer la mort et aller vers la mort, puisque vous savez que très souvent les attentats commis par ces fanatiques musulmans sont des attentats suicides. Et cette méconnaissance que j'ai ressentie par rapport à l'histoire de l'islam des origines m'a poussée à aller lire moi-même les sources de la tradition. Sources en arabe, bien sûr. Techniquement, ces sources sont accessibles puisque tous les ouvrages de la tradition sont numérisés et accessibles sur des bibliothèques numériques. Mais en même temps, difficile d'accès parce que c'est des ouvrages volumineux, écrits dans un style plutôt archaïque et dans un format un peu éclaté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un récit qui tient du début jusqu'à la fin. Ce sont des petites séquences, des scénettes éparpillées. Et le premier travail que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer d'organiser tout cela, pour moi d'abord. C'est une démarche d'abord tout à fait individuelle. Et ce n'est qu'après que le désir de transmettre ce travail d'organisation est né. Alors j'ai commencé, petit à petit, bien sûr, il y a des choses qui se sont imposées à moi comme des éléments centraux dans le grand récit de la fondation de l'islam, et ma curiosité s'est focalisée dès le début sur l'épisode de la mort du prophète
et je voulais d'abord répondre à une question. De quoi est-il mort? Pour les chrétiens, la mort du Christ est un fondement, le fondement même de la religion, c'est la crucifixion, alors que la mort du prophète a toujours été entourée d'un grand mystère. Et quand j'ai commencé la recherche pour trouver une réponse à cette question, j'étais assez ahurie par les contradictions qu'il y a dans les livres de la tradition. Alors, j'ai fait un peu le cheminement d'un enquêteur de police qui essaie de rassembler des preuves et aussi de désigner des suspects. Et pour que les choses soient complètement détachées, sans prise de position, sans qu'il y ait de parti pris, j'ai essayé de reconstituer les derniers mois de la vie du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cause de la mort, la cause directe de la mort du prophète, n'a jamais été établie avec une manière assurée. Dans un seul livre de la tradition musulmane, vous avez deux causes. Soit la mort par empoisonnement, par une juive, évidemment, puisque les juifs sont des prophéticides notoires. Et là, l'autre version, beaucoup plus terre à terre, moins polémique, c'est une mort toute simple de pleurisie. Et moi, honnêtement, le fait que des ouvrages, les ouvrages canoniques, les ouvrages les plus orthodoxes de la tradition ne soient pas d'accord sur la cause de la mort de l'homme le plus important de la religion, c'est un peu intriguant. Donc cette reconstitution, je l'ai commencée à partir de sa dernière expédition militaire. Je rappelle rapidement que le prophète, depuis son émigration à Médine, il vivait à la Mecque, où il a été persécuté par les membres de sa propre tribu. Il a décidé d'aller à Médine, qui ne s'appelait pas Médine à l'époque, mais Yathrib. C'était en 622 et il est mort en 632. Donc sur une dizaine d'années, j'ai fait le compte, il a fait 83 expéditions militaires, ce qui nous fait quand même pratiquement une expédition militaire chaque mois. J'ai commencé par la dernière parce qu'elle ne ressemble pas à les autres. C'est celle qu'il a décidé de mener contre l'Empire byzantin et il a mené ses troupes vers Tabouk. L'expédition en elle-même n'a rien de particulier puisqu'il n'y a même pas eu d'affrontement militaire avec Byzance. Il est allé à Tabouk. Actuellement, elle se trouve, cette ville, dans le nord de l'Arabie saoudite. Mais il a ordonné, au bout de quelques jours, il a ordonné à ses troupes de se replier vers Médine. Mais ce qui s'est passé pendant cette expédition, et surtout sur le chemin du retour, c'est qu'il a subi une tentative d'assassinat. On a essayé de précipiter son chameau du haut d'un ravin en jetant des pierres sous les pattes de l'animal. C'est comme aujourd'hui, on provoque un accident de voiture en trafiquant un peu les freins. Il échappe à cette tentative d'assassinat. Il a des doutes sur les personnes qui sont derrière cette conspiration. Mais il ne dit rien. Il fait la confidence simplement à un de ses compagnons et il fait comme si de rien n'était. En rentrant à Médine, il commence déjà à avoir une forme de doute par rapport à son entourage le plus proche. Et là, comme un malheur n'arrive jamais seul, il perd son fils. Un fils qu'il a eu avec sa concubine copte qui s'appelle Malia, qui lui a été apparemment envoyé en cadeau de la part de l'archevêque d'Alexandrie. On l'appelle Al-Muqawqis en arabe, mais je ne sais pas si ça correspond tout à fait au grade d'archevêque. Je ne connais pas bien la hiérarchie de l'Église. En tout cas, il a eu une liaison avec cette esclave, Malia, et il a eu un fils avec elle 2 ans plus tôt. Donc, il était très content d'avoir enfin un fils. Lui, il avait eu des enfants de son premier mariage, mais aucun garçon n'a survécu. Seules les filles ont pu survivre. Et là,
c'est la mort de son fils, le plonge dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une véritable dépression. D'ailleurs, dans les livres de la tradition, il y a des descriptions de ce moment d'abattement psychologique qui s'est emparé du prophète avec la mort de son fils. Et là, le prophète a le sentiment que lorsqu'il enterre son fils, et là c'est écrit noir sur blanc dans les livres de la tradition, quand il enterre son fils, il a le sentiment que c'est à sa propre mort que Dieu le prépare. Il décide à ce moment-là de faire son premier et dernier pèlerinage à la Mecque. Et ce n'est pas un pèlerinage anodin, puisque au cours de ce pèlerinage, il annonce aux musulmans, il y avait une foule nombreuse, paraît-il, pendant ce pèlerinage, il leur annonce la fin de sa prophétie. Il dit, voilà, ma mission est maintenant achevée, Dieu m'est témoin, maintenant c'est fini, c'est votre libre arbitre. Et là, les sources de la tradition disent que sur le chemin du retour de la Mecque vers Médine, après le pèlerinage, il fait une sorte d'escale au niveau de l'étang de Roum, qui se situe entre la Mecque et Médine. Là aussi, il provoque une réunion avec un certain nombre de ses compagnons et il décide de passer le flambeau à son gendre et cousin Ali, qui va plus tard être le chef du clan chiite pendant la grande discorde qui aura lieu 30 ans plus tard. Les compagnons ne sont pas contents parce qu'il y a quelque chose qui a été fait à leur insu et il y a autour du prophète des compagnons qui ont beaucoup d'ambition. En apparence, ils acceptent cette passation faite à Ali, mais en arrivant à Médine, les choses se précipitent parce que le prophète tombe gravement malade. Au début, on a cru que c'était juste la fatigue du voyage, mais non, le prophète est gravement malade et tous les jours son état de santé se détériore. Et d'ailleurs, c'est 2 semaines plus tard qu'il va quitter ce monde. J'ai pu d'ailleurs, grâce à une lecture attentive des sources de la tradition, faire une reconstitution même de la dernière semaine de la vie du prophète. C'est vrai que les livres de la tradition, quand on les lit, ils ne sont pas très précis dans la chronologie. Il y a toujours des doutes, il y a même des doutes sur la date de naissance du prophète, etc. Mais là, pour ce qui est de la dernière période, j'ai constaté que tous les livres étaient assez précis sur les événements qui se sont déroulés. Donc, du lundi, il est mort à l'aide du lundi 8 juin, donc du lundi 1er juin au lundi 8 juin, on peut suivre jour après jour les événements qui ont marqué la dernière semaine de la vie du prophète. Et il y a deux éléments qui se détachent. C'est le jeudi qui a précédé sa mort. Il a voulu écrire un testament. Il en a été empêché par le courage. Et puisqu'il avait de la fièvre, donc l'un de ses compagnons, Omar ibn Khattab, qui va être plus tard le deuxième calife, dit non, ce n'est pas la peine qu'il écrive un testament, il est en train de délirer à cause de la fièvre. Le deuxième événement marquant, il a eu lieu le lendemain, c'est le vendredi, le jour de la prière collective, et là, le muezzin personnel du prophète vient le voir dans sa chambre et lui dit, lève-toi pour diriger la prière, j'ai peur que si tu ne viennes pas, personne ne va venir de prier. Et le prophète, assez indifférent, lui dit de toute façon, moi je suis tellement malade que je n'ai pas la force de me lever, qu'ils prient ou pas, c'est leur problème. Mais ça, c'est une version assez ahurissante que j'ai trouvée dans les sources de la tradition, car la version retenue au fil des siècles, c'est que le prophète aurait désigné son compagnon Abou Bakr Essédir, qui se trouve être le père de sa femme Aïcha,
son beau-père, donc, il lui aurait demandé de diriger la prière à sa place, et Abou Bakr va fonder d'ailleurs sa légitimité en tant que premier calife sur cette délégation d'ordre liturgique. Et là, vous voyez comment très tôt les registres politiques et religieux vont se superposer dans l'histoire de l'islam. Donc l'imamat, c'est-à-dire la fonction de la direction du culte, implique automatiquement un pouvoir politique sur la communauté. Donc, le dimanche, le prophète est dans un état extrêmement critique. Et là, pour la personne qui enquête sur sa mort, il y a un événement qui pourrait être anodin, mais qui m'a beaucoup interpellée. C'est que pendant une légère syncope qu'il a eue à cause de la fièvre, son entourage, il était entouré des membres de sa famille, lui a administré un médicament, on lui a posé sur les lèvres une sorte de baume, et quand il s'est réveillé de sa syncope, il s'est aperçu qu'il avait quelque chose sur la bouche, et il a dit « qu'est-ce que vous m'avez mis sur la bouche ?» On lui a dit « non, c'est un médicament ». Et là, il dit « non, 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 vous allez mettre ce médicament sous mes yeux maintenant ». Parce qu'il avait en fait des doutes sur la nature de la potion qu'on lui a administrée à son insu. Le lendemain, le prophète meurt. Alors là, quelque chose d'important arrive, c'est qu'il y a eu d'abord une réaction de déni. Non, il n'est pas mort. Et c'est d'ailleurs un phénomène assez récurrent qu'on constate chez les musulmans, c'est d'abord non. Ce n'est pas comme ça, c'est comme aujourd'hui quand il y a un attentat terroriste, on dit non, ce n'est pas l'islam. C'est vrai que les terroristes ne représentent pas tout l'islam, mais ils sont quand même des musulmans. Donc là, la réaction de déni des musulmans, le prophète ne peut pas mourir. Pour quelle raison? Alors là, il y a différentes versions, mais qui en fait se rejoignent. Il ne peut pas mourir parce qu'il est venu annoncer la fin des temps. Il y a une dimension eschatologique qui est liée à la croyance religieuse primitive en islam. Le prophète se présente comme Nabi Erzalem, c'est-à-dire le prophète de la fin des temps. Et d'ailleurs le Coran garde jusqu'à aujourd'hui des traces de cette croyance primitive. Par exemple, on prend les premiers versets de la sourate La Lune, on dit la lune se fend et l'heure approche. Il y a toujours, constamment, il y a au moins une dizaine d'occurrences dans le texte coranique qui parlent de l'imminence de l'apocalypse. Donc quand il meurt, les musulmans sont incrédules parce que, alors, soit il leur approche, donc sa mort est le signe avant-coureur de l'imminence de l'apocalypse, et ça c'est un cataclysme que les gens ont du mal à accepter, soit il ne peut pas mourir et il va ressusciter comme Jésus. Donc, mais techniquement, ce déni de la mort du prophète a engendré un épisode assez embarrassant pour la mémoire de la première génération des musulmans, c'est que le corps du prophète a été abandonné pendant au moins 2 jours et n'a pas été enterré. Il y a, bien sûr, cette explication d'ordre religieux liée aux croyances primitives des musulmans, mais il y a aussi une raison politique, c'est que pendant sa mort, les compagnons se retrouvent en conclave pour discuter de la succession. Quelle est la personne qui doit être désignée pour diriger la communauté des musulmans? Et l'épisode, je crois, est embarrassant, mais en même temps, les auteurs de la tradition en parlent d'une manière assez décomplexée, si j'ose dire, puisque dans plusieurs livres vraiment orthodoxes de la tradition, il y a une description de la décomposition du corps du prophète. En fait, là, le moment des funérailles a été un moment de la plus haute importance, parce que pendant les funérailles,
puisqu'on a réalisé qu'il ne ressuscitera pas et que son corps elle commence à tomber en décrépitude. D'ailleurs, il y a une phrase prononcée par l'oncle du prophète quand il voulait inciter les compagnons à procéder tout de suite aux obsèques. On lui a dit non, on ne va pas l'enterrer parce qu'il va revenir comme Jésus au bout de 3 jours. Il leur a dit, on ne peut pas le laisser comme ça, son corps est en train de devenir une charogne. Et ne vous inquiétez pas, si Dieu a envie de le ressusciter, il n'aura aucun mal à le sortir de la tombe. Donc voilà, quand on regarde de près, j'ai laissé moi les événements dans le premier tome, j'ai laissé les événements suspendus, puisque j'ai terminé mon récit avec l'enterrement du prophète, un enterrement d'ailleurs qui a eu lieu la nuit, un peu étrange, pour l'enterrement d'un homme comme lui. Et il y a deux absents, deux hommes qui ont brillé par leur absence pendant les funérailles, c'est Abou Bakr et Omar, c'est-à-dire les futurs premiers et second califes. Alors, j'ai laissé donc le récit suspendu parce qu'il m'a semblé que il fallait consacrer un ouvrage entier aux premières heures, comme après les derniers jours, les premières heures après Mohammed. En fait, il y a eu, pendant les funérailles du prophète, pendant que la famille du prophète était occupée par la préparation du corps, la toilette mortuaire, etc., il y a eu une réunion dans un endroit emblématique qui s'appelle la Sarifa des Banu Sa'd, c'est la tonnelle des Banu Sa'd, entre deux camps, les deux principaux camps de la communauté musulmane. D'un côté, les immigrants, ceux qui sont d'origine mécoise, qui ont fait le voyage depuis la Mecque jusqu'à Médine avec le prophète en 622. Et de l'autre, il y a ceux qu'on appelle les Ansar, qu'on traduit souvent par auxiliaires. Et ce sont les deux tribus, Aws et Khazraj, qui ont accueilli le prophète après son immigration. Donc à Médine, ils sont chez eux. Et là, la bagarre entre les deux camps va se situer sur un double registre. Et ça, c'est un phénomène que j'ai essayé de reconstituer en écrivant presque le procès verbal de la réunion, le conclave qu'ils ont eu. Le premier registre, c'est d'abord le registre religieux, qui, des deux camps, a le plus de mérite religieux. Le mérite religieux se confond avec l'ancienneté, ce que les Arabes appellent As-Sabira, qui a été musulman le premier, qui est venu avant. Évidemment, les émigrants, puisqu'ils ont cru en Mohammed dès le début, quand il était persécuté et malmené par sa tribu à la Mecque, évidemment, eux, ils se disent qu'ils ont la priorité. Le chef de la communauté doit être choisi parmi les émigrants, puisque ce sont les véritables croyants, puisque ce sont les premiers. De l'autre côté, les Ansar ont un autre mérite religieux, et pas des moindres, c'est que sans leur soutien à Mohammed et aux émigrants, Mohammed aurait été sans doute assassiné, ou bien il aurait été condamné à rester un homme qui prêche dans le désert, entouré de quelques adeptes marginaux. Donc eux, ils ont le mérite parce qu'ils ont donné à Mohammed l'asile politique et aussi la force logistique qui lui a permis de s'imposer. Ça, c'est le premier registre sur lequel il y a une véritable compétition entre les deux camps. Un autre registre, lui, qui fait en fait ressortir les paramètres des tribus arabes avant l'islam. C'est la supériorité d'une tribu sur l'autre. Et là, le prophète, comme les émigrants, appartiennent à une seule tribu, qui est la tribu de Quraysh, la tribu principale de la Mecque. Et cette tribu-là
bien avant l'islam, était une tribu qui avait une très grande puissance. C'est une tribu puissante, d'abord sur le plan symbolique, puisqu'elle gérait le pèlerinage de la Mecque. Vous savez que le pèlerinage à la Mecque existait bien avant l'islam. C'était un sanctuaire. Et le pèlerinage était aussi un moment aussi de sorte de foire commerciale. Donc ils ont cette collège gérée, le pèlerinage. Elle habitait une ville sacrée, même pour la société païenne. Et un autre registre, non, et pas des moindres non plus, c'est le registre économique. Collège était une véritable puissance économique dans l'Arabie. Elle gérait le mouvement des caravanes qui vont du Yémen vers la Syrie et vice-versa. Elle a imposé cette tribu à toutes les autres, une sorte de marché commun. Ilef Quraysh, cité dans le Coran, le pacte de Quraysh, et qui elle assurait, cette tribu, la sécurité des caravanes, moyennant bien sûr un péage, et aussi, et ça c'est une, c'était la principale activité de l'arrière-grand-père du prophète, ils avaient des banques, puisqu'il y avait des caravanes qui vont de Yémen vers Byzance, vers la Syrie et vice-versa, donc ils faisaient le change à la Mecque et ils prenaient des commissions. Donc cette tribu était hégémonique pour donc ces deux raisons-là, symbolique et économique. Donc les immigrants, quand ils ont vu que leur compétition religieuse avec les Ansar aboutissait à une sorte de match nul, Abou Bakr, le futur premier calife qui menait les négociations au nom des immigrants, a dit « N'oubliez pas que nous appartenons tous, nous immigrants, à la tribu de Quraysh, la plus grande, la plus noble des tribus arabes. » Et là, cet argument-là, a priori devait être décisif, puisque toutes les tribus arabes reconnaissaient à Quraysh cette supériorité, cette puissance, mais les choses ont mal tourné quand un des Ansar a eu cette idée ingénieuse de dire aux immigrants, c'est vrai, vous êtes de Quraysh, c'est vrai, vous êtes les premiers à vous être convertis à l'islam, alors retournez de là où vous venez. Revenez à la Mecque. Évidemment, puisque leur véritable carte de séjour, c'était le prophète, mais il est mort. Donc, revenez d'où vous venez. Et cette menace d'expulsion va faire basculer les pourparlers. D'ailleurs, j'essaie de faire dans la première partie de mon livre une reconstitution même psychologique de la montée de la tension dans les pourparlers. Et là, il y a un personnage qui va entrer en scène, c'est Omar, le futur deuxième calife, connu pour son tempérament très violent. Et ça va être la bagarre. Donc, ils vont revenir aux mains et la situation dégénère. Aucun consensus n'est possible. Alors, ce qui va être fait, c'est qu'il fallait passer à la force. Les immigrants quittent cet espace profane de la Sarifa pour aller à l'espace sacré de la mosquée. Et là, ils organisent dans la précipitation une cérémonie d'allégeance publique à Abou Bakr. Et d'ailleurs, les livres de la tradition disent qu'il y avait des milices qui étaient déployées dans les rues de Médine pour assurer au nouveau calife une élection qui soit indiscutable. Pendant ce temps-là, la famille du prophète apprend, en entendant le takbir, Allahu Akbar à côté de la mosquée et mitoyenne de la chambre du prophète, ils réalisent qu'un coup d'État vient d'avoir lieu, que le calife Abou Bakr vient d'être, on vient de faire allégeance à ce nouveau calife. Bien sûr, les choses ne se sont pas terminées là, puisque des vrais problèmes ont commencé à partir de cette élection forcée d'Abou Bakr Siddiq.
Il y a d'abord, il y aura toutes sortes d'opposants à nous vaincre. C'est vraiment de différents niveaux d'opposants. Le premier niveau, c'est celui des Hansa eux-mêmes, qui n'ont pas tous accepté cette situation. Le deuxième niveau concerne les membres de la tribu de Quraysh elle-même, qui vivaient à la Mecque, et qui considèrent que Abou Bakr, bien qu'il soit Quraychite, donc il est membre de leur propre tribu, mais il appartient à un clan mineur. Quraysh est une très grande tribu, et il y a l'aristocratie et il y a la roture. Abou Bakr appartient à la roture. Bon, pour des raisons un peu complexes à expliquer maintenant, mais il y a à la fin du livre, j'ai prévu une sorte d'arbre généalogique qui montre comment se fait la répartition dans les clans de la tribu. Donc, les aristocrates de la Mecque refusent Abou Bakr en disant « Mais c'est qui celui-là? Il appartient à un camp inférieur de notre tribu et c'est nous, les descendants de Abou Manef, qui est l'ancêtre de cette aristocratie, qui devons avoir le pouvoir. » Ensuite, il y a une autre couche d'opposants pour Abou Bakr. C'est la famille du prophète. D'abord, elle va contester cette nomination pour des raisons techniques. Comment peuvent-ils désigner un successeur sans les consulter? D'ailleurs, Ali va faire le reproche à Abou Bakr en disant « Tu as profité du moment où nous étions occupés par les obsèques et tu as pris le pouvoir sans même nous demander notre avis. » La deuxième raison, là aussi, se situe à un niveau politico-religieux, car les membres de la famille du prophète pensent que la prophétie et le pouvoir ne doivent pas quitter ce qu'on appelle Ahlul Bayt, c'est-à-dire les gens de la maison, la sainte famille. Le pouvoir doit rester dans le cercle très fermé de la famille du prophète. Et évidemment, le plus proche, c'est Ali, qui n'est pas seulement son cousin et son gendre, et surtout le père de ses petits-fils, Hassan et Hussein. Le prophète aimait beaucoup ses petits-fils. C'est parmi les choses où il y a unanimité dans les livres de la tradition, c'est l'amour inconditionnel que le prophète avait pour ses petits-fils. Donc, opposition tous azimuts, et après, bien sûr, il y aura une opposition de toute l'Arabie. Toutes les tribus arabes rejetteront l'élection d'Abou Bakr, d'abord parce que, comme pour la famille, ils n'ont pas été consultés, et aussi parce que ils ne croient pas en l'existence d'un État central. Chaque tribu arabe était très jalouse de sa souveraineté, et ils n'acceptent pas qu'un pouvoir central s'installe en Arabie. D'ailleurs, la suite des événements va le confirmer, puisque l'Empire Omeyyade, quand il s'est installé, il est allé à Damas. Même chose pour l'Empire Abbaside, il est allé à Bagdad. Et jusqu'à aujourd'hui, en Arabie, il n'y a jamais eu d'État central. C'est toujours le pouvoir de la tribu et de la famille. Donc, du coup, Abou Bakr, c'est-à-dire, se trouve complètement débordé par des opposants qui sortent de partout. Mais ces opposants politiques, il a réussi à les neutraliser par la négociation, comme il l'a fait avec les aristocrates quraychites de la Mecque, par aussi le soudoiement avec la famille du prophète, sauf une personne qui lui a fait de la résistance. Et elle n'a jamais accepté de capituler, c'est Fatima, la fille du prophète. Et la dispute entre elle et le calife Abou Bakr la positionne, à mes yeux, comme un véritable personnage de tragédie grecque, puisqu'elle m'a beaucoup rappelé
le personnage d'Antigone qui s'est opposé au successeur de son père. La situation avec Fatima, l'opposition de Fatima s'est aggravée au fil du temps à cause de la question de l'héritage. Il n'y avait pas la question politique puisque Fatima ne pouvait pas prétendre au poste de calife, mais elle a été privée de son héritage. Les biens du prophète, qui étaient riches, hein, le prophète avait beaucoup de biens, il avait toujours pour les butins de guerre, il avait toujours un cinquième du butin, mais Fatima avait, du vivant de son père, une oasis que le prophète lui a léguée de son vivant, qui s'appelle l'oasis de Fadak, c'est apparemment un verger paradisiaque, à quelques centaines de kilomètres au nord de Médine. Et le nouveau calife, qui devait mener une guerre contre les tribus arabes rebelles, avait besoin d'argent pour financer la guerre qu'il s'apprête à mener. Et la première chose qu'il a faite, c'était de nationaliser les biens du prophète en disant, là, il dit à Fatima, non, ton père n'a rien laissé. Les prophètes ne laissent pas d'héritage. Tout ce qu'il laisse doit aller dans la caisse commune, dans la même Bayt Maimoufi. La caisse commune des musulmans. Fatima ne se laisse pas faire et après avoir fait plusieurs tentatives pour convaincre Abou Bakr de lui donner son héritage, en désespoir de cause, elle se dirige un jour à la mosquée, là où le calife avec les autres compagnons de son père sont réunis, sans doute après la prière du vendredi, et elle leur fait un discours qui est en fait véritable réquisitoire. La tradition le consigne sous le nom de Al-Khutbah al-Fadakiyya, le prêche de Fadak, en référence à ce berger dont Fatima a été privée. Et là, le prêche de Fadak se termine par une malédiction. Elle lance au visage du successeur de son père et de ses compagnons, parce qu'elle estime qu'ils étaient les complices silencieux et passifs de cette spoliation, et elle leur dit, voilà, vous avez porté le fardeau du califat comme un fardeau marqué par la colère de Dieu. Et elle les cite tous à comparaître devant le tribunal de Dieu en leur disant « Mon père sera mon avocat et Dieu sera mon juge ». La situation est très embarrassante pour Abou Bakr qui, dans un accès de remords, parce qu'il avait une très mauvaise conscience par rapport à Fatima, décide de présenter sa démission, et cette décision de présenter sa démission a été précipitée également par la mort soudaine de son propre fils, car quelques jours après la malédiction de Fatima, le fils d'Abou Bakr meurt alors qu'il n'était pas particulièrement malade, encore moins vieux. Donc il a ressenti que cette malédiction qui lui a été lancée au visage commence à se concrétiser, et jusqu'à sa mort, il va avoir des regrets par rapport à ce comportement avec Fatima. Donc la constitution du califat s'est faite au prix d'une violence. Une violence d'abord physique, qui a commencé avec la bagarre. C'est un pugilat, un peu d'ailleurs grotesque, qui a lieu à la Sarifa, mais qui petit à petit va grossir progressivement pour aboutir à une série de guerres qu'on appelle les guerres d'apostasie. La seule action menée par le premier calife pendant les 2 ans où il a été calife, Abou Bakr est mort assez rapidement, c'est de mener des guerres contre toutes les tribus arabes qui ont contesté sa légitimité. Et en fait, il les appelle guerre d'apostasie parce qu'il fallait qu'ils trouvent une sorte de casus belli, comment
Sur quel prétexte va-t-il déclarer la guerre aux tribus qui sont au Yémen, à Yémen, etc., dans toute l'Arabie, s'il ne trouvait pas un argument religieux? Donc il a dit, ces tribus, puisqu'ils ne reconnaissent pas le califat, donc ce sont des tribus qui, de fait, ont renié l'islam, donc il faut, par la force, les ramener à la religion et ils doivent me faire allégeance. Donc ce schéma de la violence, en fait, c'est comme un fil conducteur que j'essaie de suivre depuis les derniers jours de Mohammed, parce que très souvent, on dit que la violence en islam s'est déclenchée ou a commencé à prendre des proportions catastrophiques et aussi irréversibles, c'est après la mort du prophète. Or, moi, quand j'ai regardé de près la vie, les derniers jours de la vie du prophète, je vois que la violence a commencé bien avant sa mort et peut-être que lui-même a été victime de cette violence. Donc le cheminement de la violence que j'essaye de retracer à partir de la malédiction de Fatima jusqu'à la grande discorde, c'est-à-dire la rupture, disons, irréversible entre sunnites et chiites, c'est un fil qui m'a permis non pas de prouver que l'islam est une religion violente, non, mais particulièrement violente. Elle est violente comme toutes les autres religions peuvent l'être, mais que cette violence constitutive de la plus premier empire musulman, califat musulman, montre que c'est une histoire terriblement banale. C'est-à-dire qu'elle n'a rien de sacré et qu'en fait ce sont des ambitions d'hommes et de femmes. C'est une logique de domination de territoire. Et d'ailleurs, je vais dans le prochain livre qui va sortir en octobre, qui s'intitule L'ombre des sabres, et que je consacre à ces guerres d'apostasie qui étaient d'une violence inouïe. En fait, il y a l'eau qui était au centre de la dispute. Toutes les tribus pratiquement attaquées par les armées d'Abou Bakr al-Siddiq, c'était des tribus qui avaient le contrôle sur les sources d'eau, c'est un peu comme aujourd'hui pour le pétrole. Donc il y a, c'est une histoire vraiment, l'histoire des débuts de l'islam n'a absolument rien de glorieux, ni d'ailleurs de particulièrement honteux, puisque c'est l'histoire de la constitution d'un empire. Les empires ne se constituent pas avec de la bonne volonté, c'est toujours pris de conquête, de guerre. Et très souvent, alors là, avec l'islam, le phénomène est peut-être un peu plus accentué, c'est que c'est une violence interne. Les déchirements au sein de l'islam sont plus importants que ceux exercés sur l'adversaire extérieur. Les musulmans sont les premières victimes de l'islam. Il y a plus de victimes musulmanes que de victimes non musulmanes. Et cette logique un peu de la lutte fratricide, et aussi une autre thématique que j'ai repérée, c'est celle de la transmission douloureuse de pouvoir. À chaque fois qu'il y a une question de succession, c'est toujours le moment de grandes ruptures, de grands déchirements. Très souvent des blessures qui ne cicatrisent jamais. La preuve, aujourd'hui, le conflit sunnite-chiite n'est que la répétition compulsive d'une guerre civile qui a eu lieu il y a 14 siècles. Donc j'ai essayé de remonter le temps pour voir de près ce que cet âge d'or, le supposé âge d'or, a de particulier. Et je n'ai en fait que découvrir le caractère humain, trop humain, dirait Nietzsche, de cette première génération de musulmans qui n'a rien de pieux. Bien sûr, il ne faut pas leur faire un procès, hein, c'est fini maintenant, ces gens-là sont partis. Mais simplement, c'est leur position en tant que modèle à suivre, en tant que salaf, qui devient à mes yeux de plus en plus contestable, et il faut déconstruire, il faut démythifier ces figures-là
en les restituant à l'histoire et à leur humanité, somme toute très ordinaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été très longue. C'est bon ? Vous avez laissé entendre que trois autres ouvrages vont sortir dans un, dès la fin de l'année, sans dévoiler le contenu de ces trois ouvrages. Vous pouvez quand même nous dire quelles vont être les différentes étapes. Oui, bien sûr, puisque je suis en train de travailler sur ces livres, je les travaille en parallèle en fait. C'est le prochain dont j'ai déjà un peu parlé, il s'intitule L'ombre des sabres. C'est les deux années de règne du premier calife de l'islam, Abou Bakr, qui a été une référence pour Daesh d'ailleurs, puisque le calife autoproclamé de Daesh ne s'appelle pas Abou Bakr al-Baghdadi, il s'appelle Ibrahim Ahmed. Et il s'est choisi le pseudonyme d'Abou Bakr parce que c'est en référence au premier calife de l'islam. Je vais parler des guerres d'apostasie, des guerres très violentes, des guerres de stratégie, pré-stratégiques, à cause de l'eau et aussi par rapport à l'empire sassanide. C'est là où on va voir comment l'islam n'est pas isolé, l'Arabie n'est pas du tout isolée des conflits de la région, surtout Byzance et l'empire sassanide et la Mésopotamie. D'ailleurs, il y a beaucoup d'historiens de l'islam qui avancent l'hypothèse que l'islam n'est pas né en Arabie, mais plutôt au sud de l'Irak. Ce qui explique d'ailleurs que plus tard Ali et ses fils soient morts là-bas. Le deuxième, le tome suivant, qui sera consacré au califat de Oman, de Khattab, sera évidemment consacré à deux moments importants de son règne, la conquête hors de l'Arabie, notamment la conquête de l'Égypte et de Jérusalem. Et le deuxième grand épisode sur lequel je vais focaliser, parce que c'est vraiment des récits, hein, chaque fois c'est des récits, c'est son meurtre. Il est mort, poignardé à la mosquée par un esclave perse. On ne sait pas grand-chose de ce crime. C'est un peu comme la mort de Kennedy, ou la mort d'Henri IV. Cet esclave perse serait un peu comme Ravaillac, qui a assassiné Henri IV. Mais Ravaillac, c'est le bras. Et on ne sait pas qui est le cerveau derrière, qui a commandité le crime. Le tome suivant, donc qui sera le quatrième, est consacré au troisième calife, Othman. Là aussi, deux moments importants de son règne. Je ne vais pas beaucoup parler de l'expansion de l'empire musulman, mais plutôt d'une action qu'il a faite et qui aujourd'hui est fondatrice, c'est la collecte du Coran. Le calife Othman a décidé de réunir une commission pour rassembler les morceaux épars du Coran. On dit qu'une partie est écrite sur des supports divers, une autre partie est mémorisée par certains compagnons de la première génération, et Othman a réalisé que, puisque l'empire musulman commençait à s'agrandir, on est venu lui dire, mais tu sais, le Coran qu'on récite en Égypte n'est pas du tout le même qu'on récite en Irak, etc. Donc il a dit non, il faut nous désigner le vin, la liqueur ou la bière. Il a dit, quand il a bu une gorgée, il a fait une grimace et il a dit à son oncle de lui verser un peu d'eau fraîche. Donc c'est. Franchement, tout le reste, franchement, c'est des gens qui ont besoin
de quadriller la vie des musulmans en leur imposant une liste d'interdits. Et voilà, ça c'est regrettable parce que quand on voit un peu l'essence de la religion, c'est juste une affaire entre l'homme et Dieu, une affaire toute personnelle, même intime. Et l'un des points forts, ce que disait Massignon d'ailleurs à propos de l'islam, c'est une religion, c'est une théocratie laïque et égalitaire. Laïque parce qu'elle ne reconnaît pas d'église, parce qu'il n'y a pas d'église, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la religion et la loi. Parce que son ensemble, la religion, c'est la loi. Dans quelle mesure, je n'ai pas bien compris votre remarque. Et la religion musulmane, c'est aussi la loi. Oui. Parce que c'est... Il y a la loi. Oui. Pardon? La loi qui est tirée de la religion. Oui, mais parce que d'habitude, dans les autres religions, religion chrétienne, il n'y a pas la loi. Il y a le droit canon quand même dans le christianisme, le droit canon. Et même en islam, la loi tirée des textes sacrés, notamment du Coran, est toujours l'affaire d'une interprétation de théologiens et il n'y a jamais eu de consensus. Vous voyez, donc il y a bien sûr la religion peut être une source d'inspiration pour faire les lois. Mais il n'y a pas de loi stricte, puisque la seule loi divine à laquelle tout musulman doit se conformer, c'est le monothéisme. C'est de ne croire qu'en un seul Dieu, point barre. Même le prophète est présenté dans le Coran comme un homme ordinaire, un mortel parmi les mortels. Mais l'esprit de la loi, il peut être inspiré de... Mais là, il y a plusieurs vitesses. Hein. Il y a un large éventail. Si je prends, par exemple, certains versets du Coran, il faut couper la main du voleur. Et là, dans les pays musulmans, à part peut-être l'Arabie Saoudite et un autre pays, je crois, en Afghanistan, on ne coupe pas la main. Le Soudan, pendant un moment, on l'a fait. Personne, aucun des musulmans, pourtant le verset coranique est extrêmement... C'est la charia. Pardon ? C'est la charia. C'est la charia, oui, c'est la charia. Mais la charia n'existe pas en tant que telle. Hein, là aussi, c'est un système juridique construit sur la base d'interprétations de différents théologiens. Et chez les sunnites, seulement chez les sunnites, on a 4 écoles juridiques. Et qui n'ont pas la même interprétation de tel ou tel verset du Coran, qui, par exemple, pour l'école malikite, boire de l'alcool, c'est la condamnation doit être extrêmement sévère. Ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Dans d'autres écoles juridiques, oui, c'est pas bien de boire, mais bon, après la prière du soir, on peut boire un verre. Puisque le principe, c'est que dans le Coran, on nous dit qu'il ne faut pas consommer l'alcool, il ne faut pas être ivre pendant la prière. Voilà. C'est ça le verset coranique. Je traduis d'une manière assez grossière, mais c'est ça. C'est-à-dire, ne faites pas la prière sans vous mettre dessous. Voilà. Donc là, il y a là, un éventail d'interprétations, comme pour aussi la punition de l'adultère. L'adultère dans le Coran. La blasphémie aussi. Pardon ? La blasphémie aussi. Là ? Blasphémie. Oui, le blasphème aussi. Et là, dans le Coran, c'est assez intéressant de voir que l'adultère est puni dans le Coran par 100 coups de fouet, alors que dans la pratique, c'est la lapidation. Parce que le prophète a lapidé. Et c'est une tradition juive d'ailleurs. Puisque. Rappelez-vous l'épisode, le célèbre épisode avec le Christ, que celui qui n'a jamais pâché lui jette la première pierre. Donc, dans les faits, on laisse de côté la loi coranique et on applique la sunna, c'est-à-dire le code pratiqué par le prophète. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une loi unique. La charia, comme on l'appelle, en Europe, la charia,
c'est une construction comme la Houma, mais vous pouvez trouver de tout. Il y a d'ailleurs un mouvement réformiste qui dit qu'il faut absolument renoncer à tous les versets, tous les hadiths, tous les livres du prophète qui ne sont plus conformes aux valeurs universelles contemporaines. Quand d'autres vous disent non, comment ça, on ne peut pas. Un pays comme la Tunisie, qui a quand même une religion d'État, mais la religion qui est l'islam, n'applique pratiquement aucune loi coranique, sauf une, celle de l'inégalité dans l'héritage entre l'homme et la femme. Et là, c'est en débat maintenant. Il y a un projet de loi pour renoncer à la. Vous voyez, donc ce n'est pas. Il ne faut pas imaginer que les choses sont clairement établies dans l'islam. Il y a un devenir historique de la religion et elle n'est pas présentée, il ne faut pas l'imaginer comme une entité comme ça, totale, cohérente, fermée sur elle-même. Ça, c'est la vision salafiste, rigoriste, qui voit cet ensemble comme un bloc fermé sur lui-même et qui ne tolère absolument aucune intervention. Alors, dans les faits, non. Et une bonne chose, ce sont les sunnites ou les chiites qui sont les directs descendants du Mohammed. C'est les chiites qui prétendent être les descendants. Oui, ils prétendent, parce que de toute façon, on n'a pas de possibilité de vérifier génétiquement. Parce que moi-même, demain, je peux dire que je descends du prophète. Et vous pouvez me croire sur parole, c'est tout, parce qu'on n'a pas l'ADN du prophète. Mais cela dit, le califat, ce qu'on appelle les califes bien guidés. Moi, j'ai utilisé l'adjectif maudit un peu pour prendre le contre-pied de ce surnom qu'on leur donne. Les califes disent qu'en fait, ils veulent un système un peu démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission dynastique par le sang du pouvoir. D'ailleurs, quand vous voyez la succession des quatre premiers califes, ce n'est pas une succession de père en fils. C'est bien plus tard que c'est devenu une succession héréditaire, dynastique, un peu sur les modèles occidentaux, comme le modèle byzantin, etc. Mais au début, dans les 30 premières années, c'est pas des élections non plus démocratiques, mais en tout cas, c'était une forme de mérite, souvent d'ailleurs associé à la force du personnage élu comme calife, et le lien avec le prophète est extrêmement faible. Mais cela dit, c'est pour ça que j'ai choisi le personnage de Fatima comme élément déclencheur de l'intrigue, c'est que c'est une transmission féminine du pouvoir, bien que ce soit des hommes. Mais il y a des femmes absentes, présentes, qui ont permis aux quatre premiers califes de devenir califes. Parce que quand on regarde de près, le premier calife, le deuxième calife, Abou Bakr et Omar, sont les pères des épouses du prophète, en l'occurrence Aïcha et Hafsa. Le troisième et le quatrième calife sont les gendres du prophète, les époux de Aya et de Fatima. Donc, il y a quatre femmes qui sont derrière les quatre califes. Et c'est par ces femmes-là qu'ils sont reliés au prophète. Donc, il y a toujours une puissance féminine. D'ailleurs, même chose avec la première femme du prophète, Khadija, qui a été la première à le soutenir et à croire en lui. Donc, il y a un pouvoir au féminin qui reste souterrain, mais il n'y a pas du tout de principe dynastique. Les chiites essayent de créer, à travers la figure des imams, les avatars du prophète.
en mettant en avant le lien de sang. Mais là aussi, chez les chiites, c'est encore plus compliqué, puisque il y a ceux qui croient qu'il y a 12 imams, d'autres qui croient qu'il y a 7 imams. C'est très compliqué, parce que même en essayant un peu de mettre de l'ordre dans la succession, en disant, voilà, c'est les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, et en plus, la chaîne a été rompue pendant un moment, puisqu'ils sont tous morts assassinés. Donc on est un peu perdu là, avec la dynastie du prophète. On a veillé à ce que aucun ne survive. Ultima domanda. Les salafistes qui veulent retourner à cet ancien âge d'or sont motivés uniquement par la politique ou... Je crois que oui, ils ont besoin de croire qu'il y a un âge d'or dont on s'est écarté. Et pour motiver leur troupe, ils ont besoin de leur présenter cette version idyllique de l'histoire en leur disant, regardez les premiers musulmans, comment ils étaient beaux, intelligents, comment ils étaient pieux, valeureux, ils n'hésitaient pas à aller à la mort. Il y a même ce personnage haut en couleur que j'évoque dans mon livre, qui s'appelle Abu Abayd al-Jarrah, qui était dans les négociations politiques dans la Sakhifa. Et quand j'ai lu, il fait partie des... parce qu'il y a une liste, une short list des compagnons du prophète à qui il a promis le paradis. C'est-à-dire qu'ils entreront d'une manière automatique au paradis, sans jugement dernier. Et celui-là, quand on regarde sa biographie, son principal fait d'armes, c'est d'avoir tué son père, parce qu'il n'a pas voulu se convertir à l'islam. Donc vous voyez ce type de modèle extrêmement violent. Il a commis un parricide, peut-être que Freud serait ravi de l'avoir sur son canapé, avoir Abu Abayd al. Mais en même temps, il est présenté par les salafistes, non pas comme un criminel, mais plutôt comme un saint, et il va aller au paradis. Donc après, quand on voit un type de Daesh, il y a 2 ans, je crois, qui a tué sa propre mère sur la place publique, pourquoi est-ce que c'est un... Puisqu'on les présente comme des héros. Alors qu'en fait, c'est pas des anti-héros, mais c'est des gens très violents. Et je crois que c'est les salafistes qui utilisent beaucoup. Ils sont en train d'investir dans ce capital, dans ce fonds de commerce qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, Salaf Salah, les pieux ancêtres. Il faut les mettre comme modèle et les imiter. C'est un fonctionnement comme Hitler faisait avant avec la pureté de la race, ou comme Mussolini a fait aussi pour la restauration de la gloire de Rome. Donc il y a toujours une motivation passéiste. Voilà, c'était mieux avant. Et comment retrouver, quand on est perdu, comment retrouver notre chemin? Il faut revenir en arrière, revenir au point de départ. Donc c'est un ressort aussi très ordinaire, comme aussi pour les idéologies contemporaines. Le panarabisme aussi pompait beaucoup sur ce mythe de l'unité arabe, réalisé par l'islam, mais aussi par la langue. C'est pour ça que l'arabité et l'islam sont vraiment très très entremêlés. On dit parle toujours de monde arabo-musulman. Et l'un des conflits aujourd'hui les plus structurants dans la géopolitique internationale, c'est vraiment le conflit dans le monde sunnite entre la Turquie et l'Arabie saoudite, donc islam arabe, islam non-arabe, et aussi le conflit entre sunnites et chiites. Là aussi, on a le conflit Arabie Saoudite-Iran, islam arabe, islam non-arabe. Donc il faut toujours aussi lier la question religieuse à la question linguistique, et par-delà la question linguistique, la question raciale. Voilà.
l'arabité présentée comme une race conquérante. Conquérante et supérieure. Voilà. On est un peu dans ces schémas vraiment très, très primitifs, très primitif de la légende, du conte de fées. Ils ont beaucoup de coupes de kamikaze. Ah oui. C'est quand même. Oui, oui, ils arrivent à recruter. Oui, oui. Grazie mille. Merci beaucoup.